Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Use It Again qui est reparti en direction de Cape Town. On va voir est-ce qu'il en est. Ensuite, on va parler de la Porniche Select qui s'est courue cette semaine et qui a été une très belle course, on va en parler. Ensuite, on va faire le point sur la Cap Martinique qui est partie dimanche. Ils sont au large du Portugal et c'est une très belle course avec du suspense encore et tout. En direction du coup de la Martinique, ils sont partis en direction de la Martinique. Là, ils doivent encore contourner l'île de Madère, mais on va voir ça. Et enfin, on va parler du trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant qui s'est couru avec un très beau duo vainqueur. Malheureusement que 12 bateaux, mais un très beau duo vainqueur, donc on va en parler. Petite info aussi que j'ai pas mis, mais parce que sinon l'actu large, vous allez voir, l'actu large est déjà très long. Mais dimanche part la Guyader Bermude Mille Race, donc de Brest, donc les Imoca, j'en ai pas parlé là, mais on fera bien évidemment le point dans une semaine dans l'actu large. Mais là je l'ai pas mis dedans parce que vous allez voir que l'actu large est déjà très long. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17h, sauf le mercredi et le samedi. Mais ça c'est normalement, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Donc le Discord est en description de la vidéo. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour voir quand est-ce que je live ou pas. J'ai le planning toutes les semaines, je fais un planning toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc le lien est en description. Et sinon le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec Use It Again. Ça y est, il est reparti en direction de Cape Town. Use It Again est du coup reparti de Papeete en direction de Cape Town, enfin des îles Tahiti, en direction de la Polynésie française, en direction de Cape Town, en solitaire. Et on va voir que du coup, bah, il a pris déjà du vent là. Là, il a déjà pris un peu cher. Alors vous allez voir, là, il descend. Pour l'instant, ça a l'air de se diriger plutôt vers un passage au sud de l'Australie. On va voir par la suite si. S'il va changer son routage. Pour l'instant, eux, ils indiquent pas la suite de la route. Mais vu la descente qu'il prend, possiblement, je pense qu'il est peut-être parti pour passer au sud de l'Australie. Donc, on verra ça par la suite. Sachant que voilà, il y a surtout le fait que bah, au sud, pour l'instant, il y a du vent portant. Donc, c'est normal d'aller chercher le vent portant. Mais est-ce que derrière, il va aller se remettre dans du vent faible au nord, ou est-ce que il va se dire bah tant pis, je vais essayer d'aller passer dans du vent un peu plus fort mais peut-être pas opportun par la suite. On va voir ce qu'il va décider dans les prochains jours. Ça va être super intéressant. Là on va arriver bientôt à la position actuelle. Vous voyez, bon là des zones avec peu de vent ici, hein, des zones avec peu de vent où c'est un peu compliqué. Et là voilà, ça prend du vent, ça accélère. Il a pris pas loin de 40 nœuds de vent là, donc ça commence à quand même à faire 40 nœuds sur un trimaran. Faut faire attention avec des bonnes vagues de, je crois qu'il a dit 4-5 mètres, donc ouais, ça tartine quoi, ça tartine. Et le bateau qui fait des pointes à presque 30 nœuds, donc plutôt bien, ça avance. Il est un peu en avance sur son routage, mais comme vous voyez en fait le routage là, enfin la route, techniquement, ouais, en vrai, actuellement, il peut encore faire nord ou sud. On va regarder ce que ça va donner par la suite. Donc, notamment, par exemple, là, on va regarder dans 39 heures. Ah non, ça semble s'ouvrir au nord. Hein. Là, ça a l'air d'être ouvert. Alors, 39 heures, bah, il sera pas encore là-bas dans 39 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que ça semble. On va regarder déjà dans 96 heures. Ouais, non, techniquement, c'est passable au nord. C'est passable au nord. Et même peut-être moins bien au sud. Donc ouais, techniquement je pense qu'il va aller au nord et qu'il a descendu. Il est descendu au sud pour éviter la grosse zone sans vent ici. Donc je pense qu'en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va faire ça et après il va remonter au nord et il va aller passer ici. Donc j'avais dit là, il y a une semaine, que ça allait sûrement passer par le nord. Parce que bah, c'est un peu ce qu'il avait dit. Bah c'est ce qu'il semble faire. Et j'avais dit qu'il allait peut-être pas avoir. C'était une zone avec peu de vent. Bah là ça semble pour l'instant. Ça semble me faire mentir, donc bah, j'espère pour lui. En tout cas, j'espère qu'il aura un peu de vent. Il faudra qu'il fasse quand même attention parce que ce que j'ai dit par rapport au fond, c'est vrai, il y a des au fond, donc il faut faire attention. Mais dans tous les cas, on va continuer à suivre Romain et son tour du monde à l'envers, plus en record mais en aventure, dans Actu Large.
Vous le savez, j'aime bien les Mini 650. Et bah du coup, cette semaine, il y avait la Pornichet Select. Donc au départ de Pornichet, un parcours, donc une boucle en gros. Donc départ de Pornichet, où ils allaient chercher une marque ici. On redescendait au sud chercher une marque devant les Sables d'Olonne. Et ensuite, on repartait ici. On allait chercher le Tour de Groix et on revenait... ici à Pornichet, du coup c'était une boucle. Donc la course s'est déroulée cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé. Donc pas mal de bateaux, pas mal comme d'habitude, hein, il y a toujours beaucoup de bateaux sur les courses en mini. Donc je fais, voilà. Alors assez en ligne droite quand même, hein, pas des grosses stratégies malheureusement. Un bateau qui a pris assez vite la poudre d'escampette, le 753, donc le actuel 753. Qui a réussi à s'échapper. On va regarder la suite. C'est bien échappé devant. Ça remonte. Là, quelques petites options. Des certains qui décident d'aller passer de l'autre côté de Watt. Mais bon, ça marche pas trop bien. Et du coup, on va avoir l'arrivée. On a eu quelques abandons. Ça, c'est assez habituel sur les courses en mini. Et l'arrivée. Et voilà, de l'écart, bon c'est normal, hein, on sait que sur les courses en mini, il y a des vieux, très vieux bateaux, des bateaux très récents, des bateaux très poussés, des bateaux moins poussés, des gens qui sont là que pour la course et d'autres qui sont là plus pour en fait se qualifier à la mini 30 hâte, donc qui font pas vraiment la course à fond, donc il y a plein de profils sur ce genre de course, donc c'est un peu compliqué de juger vraiment... du G et de dire voilà, on a vu qu'il y avait de l'écart certes, mais c'est toujours comme ça en mini, c'est toujours comme ça en mini. Donc du coup au niveau du classement final on va regarder en série. Hop. En série et en proto, pardon. On va regarder d'abord en proto. Donc j'ai pas le classement. Pourquoi j'ai pas leader. Voilà. Donc en proto, c'est Actual du coup qui l'a emporté. Suivi par Univers 650, donc le 967. 753 en premier, 967 en deuxième. Et le 787 qui fait troisième. Le dernier bateau, c'est le April Marine 982. Donc le dernier a fini en 2 jours, 17h et 28 minutes. Et le premier en 1 jour, 22h et 35 minutes. Vous voyez, il y a de l'écart. Et pourtant là, c'est pas un vieux bateau, mais voilà, c'est toujours l'histoire... Il y en a qui sont là depuis un moment sur la classe mini et mini. Et il y en a qui sont là depuis peu. Donc du coup qui apprennent encore. C'est une classe qui est là pour ça en vrai. Hein. C'est une classe qui est là pour apprendre. Il faut apprendre la course au large avec cette classe. Et c'est ça qui est bien avec cette classe d'ailleurs. On va regarder en série. En série, c'est le 998 qui l'a emporté. Race Care. Suivi par le 935 Fear Skate et Saveur Délice, le 986. Le dernier bateau, c'est le numéro 821. Donc il y a eu 67 classés en série. Et c'est je vais pas dire le nom, mais c'est le 821. Voilà. Donc il y a un bateau anglais, alors que le vainqueur est français. Vive la France. Et je vous ai pas dit combien ils étaient classés en proto. Ils ont été 17 classés en proto sur 21 au départ. Alors qu'en série ils étaient ils étaient 69 en série. Donc voilà, une petite centaine de bateaux. Une centaine de bateaux en vrai. Au départ comme habituellement. Presque 100 bateaux. Parce que oui. Presque sans bateau au départ. Donc c'est cool. C'est toujours entre 80 et 100 bateaux sur les classes mini. Sur les courses en mini. Donc c'est plutôt cool. Et du coup la saison des mini va continuer. Même si cette année il n'y a pas de mini 30. Mais la saison des mini va continuer. Pour s'entraîner. Pour accumuler des milles pour la mini transat. Qui aura lieu l'année prochaine. Et du coup on va continuer à suivre la saison des mini dans Actu Large. Ils sont partis dimanche, la Cap Martinique, en direction du coup de la Martinique, en passant par l'île de Madère.
voir les premiers jours. Alors malheureusement c'est la cartographie qui est pas terrible, donc on est obligé de faire avec, hein. Malheureusement on va être obligé de faire avec. On voit un bateau qui tente une option, donc un bateau double. Donc les bateaux en rouge c'est les doubles, les bateaux en bleu c'est les bateaux solo, c'est ceux qui sont en solo. Et on voit un bateau en double qui a tenté une option, qui le place plutôt bien, qui lui permet d'être plutôt bien placé pour la suite. La traversée du golfe de Gascogne, qui est relativement cool en vrai, hein. C'est une traversée, c'était une traversée assez cool, pas un vent de fou et au portant, donc c'est plutôt pas mal. Des bateaux qui prennent des options, alors on voit voilà déjà quelques solos qui sont un peu largués, d'autres solos qui résistent bien au double, hein, qui sont dans le paquet de tête, donc c'est plutôt cool. On avait vu hein, par exemple sur la Transquadra que des bateaux en solo peuvent résister assez bien au double, peuvent rester à jouer avec les doubles. Et là on voit passage du Cap Finistère qui est calme, heureusement. Là malheureusement un bateau qui s'arrête, malheureusement le 99, et ça descend, direction l'île de Madère. Et voilà, on arrive à l'instant T. Malheureusement, le 99, je pense, ne repartira pas, malheureusement. Très loin, donc soit il y va pour l'aventure, soit il repart pour l'aventure, soit... parce que là, niveau compétition, c'est mort, quoi. Donc on voit la position actuelle et on voit que, du coup, c'est des solos qui sont devant. Hein. Enfin, c'est des bateaux en solo qui sont des skippers en solo qui sont devant. Et des bateaux en double derrière. On va regarder du coup chez les solo en cours. Donc en tête, c'est un JPK 1030 A40 Architect, donc qui est en tête, suivi par Sapristi, donc un Sunfast 3300 qui a 4,8 000 derrière. Et vous voyez là, c'est du solo du coup. Et Festa pour Asté, un Sunfast 3300 aussi, qui est 3ème à 21,4 000. C'est assez serré quand même, hein, c'est assez proche. Et derrière, encore JPK 1030, qui se trouve à 36,2 000. C'est assez proche. Après, c'est un peu plus loin, mais on voit qu'il y a beaucoup de bateaux assez proches, assez identiques en fait. Là, on a des JPK 1030, là, un Sunfast 3, deux Sunfast. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de bateaux différents devant. Par contre, derrière, on a un peu de diversité. Un Pogo 30 à la 6ème position. Un Figaro 2, qui est donc Chum, qui est à la 7ème position. Donc, vous voyez, Figaro 2 qu'on retrouvait une seconde vie. Pour beaucoup, ils ont réussi à retrouver une seconde vie. Et là, voilà, encore un Figaro 2, un A31. Un A31, un Sunfast 3600, un 3200. C'est des beaux bateaux, ça aussi. Un First 37, un A35. Donc vous voyez, il y a pas mal de bateaux différents. Et c'est, par contre, assez bien qu'on ait le style de bateau à côté, le nom du bateau. Et donc voilà, le 14ème, donc le dernier, c'est malheureusement celui qui est à l'arrêt, l'A35. Donc déjà à 469 000 des leaders. Le dernier encore en course, donc Argo Val du Sud, 13ème. A déjà malheureusement 170 000 de la tête de course. Donc ici. Donc ça commence déjà à faire. Hein, 170 000, ça commence à faire. On va regarder chez les doubles. Chez les doubles, c'est un Figaro 2 qui est en tête d'ailleurs. Vous voyez, quand je vous dis que les Figaro 2, ils ont donné leur. Ils sont plus en course, grande course au large, mais ils ont pas tiré leur révérence complètement. Puisque c'est un Figaro 2 qui est en tête, par ici. Donc Chaka, mais qui est avec à la bataille avec un JPK 1030 Stolen for Pure Ocean, et Project Rescue Ocean, un Figaro 2. On en connaît un autre, Project Rescue Ocean, qui se trouve à 5,3 000. C'est assez serré, hein, regardez, 0,7 000 du premier, 5,3 000 du premier. Gustave Roussy, qui a un Sunfast 3300, est à 9,1 000. 12,2 pour Loire Odyssée, qui a un Figaro 2 aussi. JPK 1030, Sentinel Océan Explorer, 21,9 000. C'est assez serré, hein.
ça c'est vrai. Et là, on a le père de Benjamin Dutreux, White Spirit 2, un JPK 10-10, avec ici le père de Benjamin Dutreux. Et après, voilà, vous voyez, on a encore de la diversité de bateaux, JPK 10-10, on a quand même pas mal de JPK 10-10, un 9732 qui est un bateau que j'adore, JPK 9-6, Pogo 30, JPK 10-10, Jot 35, oh, du beau bateau ça. Figaro 2 qui se trouve à 83,3000, donc assez loin quand même. Mais ça peut encore revenir. Un Sunfast 3600, un A35. Et le dernier bateau est un JPK 96, les parrains marins, qui se trouve à 144 000 du premier. Voilà. Du coup, c'est une belle course. Malheureusement, on a un bateau là qui semble faire route vers la terre, de ce que je vois. Donc malheureusement peut-être un abandon, d'ailleurs j'avais pas vu Bellino qui semble faire route vers la terre. J'espère pas un abandon, mais on verra ça. Dans tous les cas, on va continuer à suivre cette course dans une semaine dans Actu Large. Je vous avais parlé de cette course dans un précédent épisode d'Actu Large. Et bah ça y est, elle a eu lieu. La route des îles du Ponant, Banque Populaire, est partie et même finie. Et ça a été une belle course, Juste triste qu'il ne soit pas venu jusqu'à la Normandie, mais ça a été une très belle course, avec un beau duo vainqueur, des belles batailles, et quand même un très beau parcours. Donc on va voir ce qui s'est passé, tout simplement. Donc des belles batailles, hein, toujours en Figaro de toute manière. Je suis juste un peu triste aussi que quelques skippers ne soient pas venus, c'est dommage. Quelques skippers ne sont pas venus, notamment je regrette l'absence du Figaro Normandie par exemple. Mais qu'il y avait quand même un skipper normand, hein. Il y avait Alexis Loison, ça sauve l'honneur de la Normandie. Non, je pense que Guillaume avait ses raisons pour ne pas y être, donc voilà. Mais juste voilà, dommage qu'il n'y ait pas eu plus de bateaux, ils étaient que 12 à partir. Et du coup ça a fait pas beaucoup, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, le parcours, c'était, il devait aller chercher, du coup, en premier, passer au sud de l'île d'Aix, enfin, passer au nord de l'île d'Aix, mais passer proche de l'île d'Aix, quoi. Donc ici, ensuite, sa remontée, la remontée en direction de la Bretagne, passer proche de l'île Dieu. Donc l'île d'Aix, qui est la plus sud, hein, des îles du Ponant. L'île Dieu, prochaine île du Ponant. Avec, voilà, comme vous voyez, une belle bataille devant. Alors, qu'on pouvait laisser de n'importe quel côté. Une belle bataille devant, comme vous pouvez voir. Skipper massif qui reste quand même bien solidement accroché à la tête. Mais derrière, on a un Yann Eliès, un Basile Bourgnon. Donc, Yann Eliès, d'ailleurs, qui a pu courir. Et ça fait plaisir de revoir Yann Eliès sur un bateau qui était avec Basile Bourgnon. Donc, Basile Bourgnon qui a dû bien encore progresser avec au contact de Yann. Et Smurfit Kappa qui était 3ème à ce moment-là. Région Bretagne, Gaston Morvan et Pascal Bidégory. Gaston qui a encore eu aussi un très bon co-skipper. 4ème. Et ensuite, voilà. Mais de toute façon, on fera le point. On fera le point plus tard. Et donc, allez, c'est Elodie Bonaf. Donc, plus quelqu'un que j'apprécie. Qui naviguait avec Alexis Loison. Donc, voilà. Un bateau que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, on a aussi là. Il y a des Will Harris avec Boris Herman. Voilà, il y avait du beau monde, il y avait quand même du beau monde, même si voilà, je regrette qu'il n'y avait pas eu plus de bateaux, mais il y avait vraiment du beau monde sur cette course. Je profite de cette course, là, voilà, pour l'instant il se passe pas grand chose, pour parler aussi de ce qui a été annoncé, c'est que la classe Figaro a trouvé un nouveau sponsor pour l'ancienne Trenata G2R. Et pour la solitaire du Figaro. Et ce sera Paprec qui va devenir sponsor titre. Enfin, qui va devenir sponsor du coup, oui, titre de la solitaire du Figaro et de l'ancienne Trenata GDR. C'est plutôt cool. Donc là, voilà, passage au large de Ouessant. Deux bateaux très loin par contre. On va revenir sur ce que je disais avant. Mais voilà, des anges et interactions qui sont très loin, malheureusement pour eux. On peut revenir et un bateau un petit peu aussi là, un peu distancé. Donc oui, l'annonce a été faite il y a pas longtemps, même hier je crois. L'annonce donc du coup que, alors là voilà, plus de vent, donc ça recule comme d'habitude. Là il y avait plus d'air à ce moment-là, donc on recule à cause du courant.
Et ça repart par la suite. Surtout qu'il y avait pas mal de courant, donc voilà, c'est normal. Et donc oui, du coup, il y a eu l'annonce par laquelle ces deux courses allaient avoir comme partenaire titre la Paprec. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la classe. Ça permet de voir loin pour la classe. Donc ça, je crois que c'est un contrat de 6 ans. Donc ça permet de voir loin pour la solitaire, loin pour la 30 en double. Donc c'est vraiment cool, je suis trop content. Je suis vraiment trop content pour la classe. Ce qui permettra peut-être, je suis désolé de le dire, encore une fois, ça permettra peut-être d'abaisser un petit peu l'apport financier de la région Loire-Atlantique, et peut-être de, à la fin du contrat avec la Loire-Atlantique, leur dire bah ok, vous pouvez continuer à donner, mais on vous donne plus les deux quoi. On vous donne soit le grand départ, soit le grand final, mais pas les deux, pour redonner à la solitaire du Figaro son côté itinérant. Je ferme la parenthèse là-dessus et on va regarder ce qui s'est passé sur la fin de course. Donc sur la fin de course, Amaris, donc là voilà, on voit les bateaux, c'est assez serré, hein, c'est quand même assez serré, mais ce qui permet assez, vraiment, ils ont été magistral. Donc une bouée a laissé passer là, pas forcément à contourner l'île, mais il fallait passer la bouée, donc ça obligeait à passer proche de l'île. Et donc des bateaux qui sont partis au large, d'autres qui sont passés entre l'île et la côte. Et surtout les bateaux de derrière qui sont revenus grâce au courant inverse que les bateaux se sont pris tout à l'heure, que les premiers se sont pris tout à l'heure. Donc toujours l'effet accordéon hein, qu'on connaît. Et là malheureusement pour eux, là à ce moment là, si tu passes pas dans le lot, bah eux ils ont pris l'autoroute et eux ils se sont fait coincer quoi. Donc là ça c'était mort. C'était mort pour eux. Toujours une bataille à l'avant entre à ce moment là Amaris, Primo Energy et Skipper Massif. Eden Red malheureusement un peu plus loin. Et le retour du coup à Concarneau, puisque le départ et l'arrivée étaient à Concarneau. C'était une boucle de 800 000 environ. Et l'arrivée à Concarneau, on voit que c'est serré. On voit à ce moment-là que même Région CMB Espoir reprend la tête, mais bloqué, il se fait doubler par Skipper Massif, qui du coup remporte cette route du Ponant. Banque Populaire Grand Ouest, enfin Banque Populaire, cette Banque Populaire, Trophée Banque Populaire Grand Ouest sur les routes des îles du Ponant. Donc voilà, beaucoup de bateaux sont arrivés à ce moment-là et les derniers qui arrivent aussi. Et voilà, et tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé sur cette, donc sur cette trophée de la route des îles du Ponant. Trophée Banque Populaire, la route des îles du Ponant. Eh, c'est dur à dire, hein. Vous pouvez pas raccourcir. Mathieu Sarraud, s'il vous plaît, raccourcissez un peu le nom. Mais voilà, une très belle course. Bravo pour l'organisation de cette course. Donc, le classement final, c'est Massif, Skipper Massif, donc Louis Berréard et Erwan Ledroulec qui l'ont emporté. Suivi par Région Bretagne, CMB Espoir, Gaston Morvan et Pascal Pidégory. Troisième, Amaris Primo Energy, Achille Nebout et Ambrogio Beccaria. Devenir Violette d'Orange, Erwan Le Tabarly en 4ème position. Eden Red 5ème, Basile Bourgnon, Yann Eliès. Keguiner, La Vie en Rose, Elodie Bonafous et Alexis Loison finissent 6ème. Smurfette Kappa, Tom Dolan et Alan Roberts finissent 7ème. Will Harris et Boris Sarman sur Malaysia Sea Explorer finissent 8ème. Région Bretagne, CMB Océane, Chloé Lebar et Ronan Tressard finissent 9ème. Mon atout énergie, Arthur Hubert, Victor Lepape, 10ème. Voile des anges, Tiffen Ragno et Pierre Coffam, 11ème. Et enfin, 12ème, Interaction, Yann Livory et Margot Rioux qui finissent à la 12ème position. Du coup, ouais, comme je disais, c'était une très belle course, un très beau trophée des îles du Ponant. Et du coup, on va continuer à suivre la saison des Figaro dans ActuLarge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers qui sont encore en recherche de partenaires pour le Vendée Globe ou pour d'autres courses. C'est très important. La voile est un très bon retour sur investissement. Donc je compte sur vous pour parler des projets autour de vous, pour permettre à ces skippers talentueux
de pouvoir partir sur ces très belles courses. Il le mérite et je compte vraiment sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à partager et à commenter. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner. Comme ça, vous ne louperez rien des prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.